je dis à l'église propre ministère, mais je dis à de toujours rester comme pasteur église tabernacle de la grâce. D'accord, pasteur Mickelson? Que bon Dieu bénisse. Amen. Même quoi, ma gembabota comme tout. Ma n'a pas un petit goûter. Et puis la là dans le deuxième service là, et puis la pas toute journée. Hein. Si nous avons attendu encore, comme même si nous ne pouvons pas attendre, nous dans la croix, nous attendons encore. D'accord? Que bon Dieu bénisse. À nous crier Alléluia. Alléluia. À nous crier merci Seigneur. Côté monde qui voulait restaurer la matière, campez sous pied pour moi si vous voulez restaurer. Campez sous pied. Combien de monde qui voulait restaurer la matière? Frappez-moi pour mon Dieu matin. Frappez-moi pour mon Dieu. Parce que si vous avez l'âme de Sénégo, parce que vous avez une histoire, vous avez une famille ça, l'événement même. Mais frappez-moi pour famille ça, vous méritez ça parce que Dieu restaure. On nous crie Alléluia! Alléluia! Dis c'est l'éternel qui est Dieu. C'est l'éternel qui est Dieu. Alléluia! Anoshita. Moi content ouais au matin. Ou content ouais mobile? Moi content ouais nous, m'te en vie ouais nous. J'aime d'ab di monsieur Damio dimanche qui était là quand là nous t'a parlé ensemble. M'te vide m'sou yo. M'te vide m'sou yo parce que moi m'parrain mais inimitié non. Depuis que je suis rentré dans l'église à premier dimanche, ça, dans le mois d'octobre 2014, je dis ça. Moi, je suis là pour l'unité. Je ne suis pas là pour la division. Moi, je viens de pasteur et nos backup pour l'avancer avec le ministère. Je ne sais pas connaître qui mission, mon Dieu, vous me fait sous tes chili. Bon Dieu, puis devant la connaît. Mais pendant ce temps, je suis le backup pour le ministère l'avancer. Et ça fait l'heure et bagaille au temps pile dans l'église là. Des nègres qui pas supporter l'évangile m'a prêché à, eh ben Dieu t'a demandé de me faire silence. Et me descend tout petit, me sortit tout petit. Et me t'a parlé de l'église là pour me dire que moi je voulais protéger le ministère pasteur Enoch. Et me toujours dit dans réunion mon bio, moi camper beaucoup de pasteur, me pas camper beaucoup d'eau. Vous comprenez ça te fait ça? Parce que les yo tirer sous pasteur Enoch, c'est sous moi yo tirer parce que me sont pasteur tout. Gon bon l'évangile moi chili là entre pasteur yo, moi me pas vlel. C'est pas l'évangile ça bon Dieu comme mission côté me te commencer prêcher l'évangile nan giton akaya et pas l'évangile ça le bon moi. Son l'évangile tout tourni ben sans cacher l'embout lié. Youn raï l'autre, youn a shooté sous l'autre, moi me pas tolérer. Kou yon gon ti kont a lot sou Facebook get an dil, non m'pa tolere sa. Et sa fwa apre, m'ta mande ki dat m'kite l'église ou pa konnen. Ou pa konnen. M'ta mande ou l'entap soti, est-ce que m'te soti a un grand membre l'église la? Ou pa ka di m'te soti a un grand membre l'église la? Pae lem soti ou pa konnen, et ou pa wem. M'rete fwa ak fwa mim la kay mwen. Pae m'te vle protéger ministère. Pasteur non, pae m'te wè, donc groupe moun te vle krasé ministère sa. Et sous qui te yon moun krasé ministère yon lot, on lot groupe pour le krasé ministère pa ou. Et ça fait oublier protéger pa yon pour Dieu qui a protégé pa ou. Matin, m'di bon Dieu merci. Pour maillon ça, que le reconnecte ensemble. Dans chaîne ça. Pas bien que l'évangile son chaîne nié. Nous tous, nous c'est maillon. Maillon c'est ti maillon qui dans la chaîne yon. Comment vous voyez, vous connectez avec l'autre, pas vrai? Vous l'autre bagaille, vous mettez là dans le boule fermé. Comment vous voyez le monde qui connaît habitué mes chaînes? Hein? On tipine, qui l'autre nous balé? Vous voyez la graphe? Très bien. Vous voyez la graphe? Après ça, nous permettons de retirer ça? Un monde qui a regardé sur Facebook, nous permettons de retirer? Ok. Alors, on est obligé de respecter les normes sanitaires. Pour esthétique, je retire. Ya? Yeah? Ok, moi. Yo rele agrafe, pas vrai? Mais agrafe, ça, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça veut dire que nous tous, nous sommes Timaï, Timaï, Timaï qui connectés ensemble dans la chaîne, non?
et qui pral tomber dans coup la vie et pour chaîne ça tomber bien dans coup la vie faut que le père le fils et le saint esprit ferme chaîne ça et c'est frère Maxime m'a dit ça matin tout ça t'es qu'a dit déjà tout ça chenille t'es gâté déjà tout ça criquet t'es dévoré déjà yo passé net et c'est matin pendant que il a prêché message ça. Pendant que David a parlé dans Psaume 23, il a dit restaure-moi dans mon Seigneur. Et ça fait matin dans mon 17 tout, Seigneur, restaure-moi. Et pas moi d'on restaurer partiel. Là on parle d'une restauration partielle, yo parle d'une restauration sous peau, une restauration extérieure, li pas une restauration interne, li pas une restauration intérieure, mais ou besoin demander mon Dieu pour le restaurer dans toute intégralité pour le retirer tout ça qui t'a ou même pour le mettre lui-même en dedans. L'église a prêché restaurer mon Seigneur. Et moun qui t'a écrit ça, belle somme ça, somme 23. C'est le David que nous pral voir puis devant que David ça qu'on toujours honoré dans somme yo, nous pral voir qui est ta David deye. Elle dit moun nous toujours utiliser somni l'on a problème, l'on a difficulté, l'on a maladie, l'on a calamité, l'on a persécution yo. Ou pral comment moun sa la ville de yon va. Et pour moun que les dieux fait moun grâce ou pas ka retirer grâce qui nan moun sa. Et grâce qui nan oua, pas qui t'en yon retire. En qui sa toujours mande bon Dieu pour repentir, nettoyer, foubi ou ren ou a pi blanc. Dans Somme 23, nous li, pi foti moun mwen yo konne Somme sa, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et qui ça David dit dans verset 3? Il restaure mon âme. Mais pour qui ça David dit, c'est nom li dit restaurer nan moi. Là on a parlé de la trichronomie en théologie. Yo wè l'homme est tripartite. Le corps, l'âme et puis l'esprit. Kounya ki sa David fait lui-même vu qu'elle connaît que esprit a ka mélanger avec nom non parce que ça ou pas ka toucher yo, ça ou pas ka manger yo. L'autre a étudié dans classe primaire yo, yo t'a parlé de des corps concrets et des corps abstraits, pas vrai? Des corps abstraits ce sont des corps que nous-mêmes nous pas ka toucher. Et des corps concrets, c'est bagaille solide, que n'kaman. Mais là, nous prenons nom, là, nous prenons esprit de la trichotomie, nous voyons que c'est l'abstrait de l'homme. Et mais David parle quoi? Parce qu'il sortit avec son corps, qui sort péché avec Bathsheba, il sortit avec son corps, qui sort touillé, oui, il sortit avec son corps, qui a plein de vie descend, mais il dit, mon Dieu, quand ça m'a pas parlé de lui, t'aime parler de nom non pito, t'aime parler de l'esprit à pito, parce que ça y est, quoi a qu'a perdu, mais nom non, il pas de paix, perdu. David, t'es intelligent. Je dis comme ça, la restauration, c'est la remise en état. La restauration, c'est la remise en état. Quand l'autre définition encore là, Ousba, il dit que le rétablissement nouvelle vigueur donnée à quelque chose. Je dis nouvelle vigueur donnée à quelque chose. Ça veut dire que, là, je parle de restauration. M'pa wè de moi-même qui belle moun, m'pa wè de moi-même qui lait moun, m'pa wè de moi-même qui possédé, m'pa wè de moi-même qui en santé, mais moi-même que péché fin crasé, moi-même que diable voulait aller, moi-même que maladie voulait finir avec moi, moi-même que persécution voulait finir avec moi, moi-même dans un état déplorable. Et l'église qui a prêché la restauration, c'est parce qu'elle garde ouais qui est à l'église qu'il y a dans le monde là, parce que nous pas prêcher seulement pour local, nous prêcher pour monde là, parce que les attendent de nous sur les réseaux sociaux, les attendent que l'église a besoin d'une vraie restauration.
le rétablissement, nouvelle vigueur donnée à quelque chose. Nous prenons un petit exemple très court. Ou gon muraille, pas vrai? Muraille ça, ou te monte bloc sous lit. Mais on pas de moyen pour te voyer graines sous lit, ni ciril, ni rendu d'huile. Mais au fil du temps, la pli la ville, ou gon n'a pris Haïti nous. Et client surtout, les boss à mandel, 20 sacs ciment, il commence à faire tête comme ça. Et après, il dit, bon, ça, gardez pour essayer 15 sacs pas d'ap café, gardez pour essayer 10 sacs pas d'ap café. Quand il a vu que bon, ça, il a besoin de moyens pour former le vivre, mais il dit, mais pas un problème, mais on met fait 16. Et tandis que selon les normes, il a dû faire avec 20 sacs ci, 20 sacs ciment. Kounia, pendant temps avancé, bi la pli a lavé mi ça et puis bloc yo commencé bloc nou pa bon bon bloc bon bon lamido mais la pli commence à laver mais mira là envie tomber même fait te marre yo bien dans faire commencé pas être dans poto yo qui ça met kay ça pral faire pour di pas laver la profe mira là ou bien la restaurer mira là la restaurer mi mira là mais li pral mettre non état côté que li pou sembler à état originel là mais c'est ça n'a demandé bon Dieu parce que nous t'ai perdu la valeur dans le jardin d'Éden nous t'ai perdu présence bon Dieu dans le jardin d'Éden nous péché t'ai fini avec nous mais vieux péché original ça yo pour sortir dans la vie où mon besoin demandé bon Dieu restauration mais c'est même j'ai muraille ça ou pas reprendre l'autre boss encore un boss qu'on cabot travaille là bien ou dire que mais moi voulais réparer muraille ça et c'est ça nous vienne faire matin hein? Nous vienne dire ni Jésus ni cet esprit ni yod là ni hier ni va ni hier mais n'a dit nous vienne demander une restauration ou qu'a dit mes pasteurs trois mots ça dit à qui moyoyé quatre mots ça dit qui moyoyé moi dit hé pas vrai moi dit yod, moi dit hé, moi dit vav, moi dit hé. Ça c'est être suprême, non? Qui c'est papa Jésus-Christ, c'est lui-même l'autre moun yo bay non relé Jéhovah. C'est lui-même yo décodé, yo mette voyelle là-dedans, yo bay Jéhovah, yo bay l'autre, etc. Mais vraiment prononciation, c'est avec la respiration pour me dire que le yod, le hé, le vav et le hé en hébreu. Eh bien, l'aime vin dili, moi l'homme non mon Dieu sans que m'pas mettre voyelle là-dedans. C'est ça me saute prononcer là. Ça veut dire que moi besoin bon Dieu, moi besoin Jésus-Christ, moi besoin Saint-Esprit dans restauration m'a parlé matin. Et si vous connaissez que restauration ça, pas pour n'ta mon vin camper là. Yo moun qui senti que restauration ça pas pour lui, n'ta mon vin camper là. Pourquoi bon moun qui capable? Non, parce que ça fait ça, c'est au jour, non, chaque jour, n'a goumé avec Lucifer, chaque jour, n'a goumé avec péché, chaque jour, n'a goumé avec mauvais pensée, chaque jour, n'a goumé à vieille parole. C'est-à-dire que nous besoin restaurer chaque jour, parce que la restauration est synonyme de repentance. Muraille la vie, nous, besoin restaurer. Sous ta fonte, penche quoi avec moi? Dans le texte, dans Romains chapitre 9, si vous avez une Bible avec vous, ouvrez-le s'il vous plaît. Si vous avez sur téléphone, vous avez une physique dans la main, ouvrez-le dans Romains chapitre 9. Faut-il garder avec moi rapide. Romains chapitre 9. Dans le texte, l'apôtre Paul a parlé. Il a écrit. Regardez qui ça le dit. À Romains, dans Romains chapitre 9. Ni Romains chapitre 9, ni Romains chapitre 10, tous deux textes, ils parlent de la restauration d'Israël. Il dit, je dis la vérité en Christ. Je ne mens pas ma conscience. M'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'ai une grande tristesse et un chagrin continuel dans le cœur. Car je souhaiterais être moi-même anathème. Soulier ça, moi, ce qui s'apporte Paul dit. Je souhaiterais être moi-même anathème du Christ pour mes frères, mes parents. Selon la chair.
9 verset 4 il dit: qui sont les Israélites à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Dans le texte, ça, apôtre Paul a parlé de regret que le gagné pour la nation israélite qui besoin restaurer. Apôtre Paul allait loin. D'après analyse de grands théologiens hébreux fait, il dit apôtre Paul s'est tellement allé loin, il met salut en jeu pour le peuple Israël là. Ah, ça c'est un leader. Ça c'est un monde qui est sensible pour dans monde, pas vrai? Ça c'est un monde qui est sensible pour voir que l'autre là pas doit périr. Moi regrette, c'est comme ça y est, parce que je me charge avec chagrin pour moi que peuple ça, malgré toute promesse ça que Dieu fait sous lui, malgré toute bagaille ça, bon bagaille ça que Dieu dispose pour peuple ça, pour tout je Dieu t'ai parlé avec Abraham, non, que peuple ça qui a pris coup ça bol en main, et pour peuple ça pour se sentir grâce là dedans cap sauvé. Apôtre Paul criait pour la restauration d'Israël. Ça sont leurs thèmes liés parce que c'est leur prédication liée qui c'est la restauration d'Israël. On regarde qu'il y a la restauration spirituelle et la restauration physique. Pour qui ça David tu as besoin d'une restauration dans Psaume 23. Tournez la Bible ensemble avec moi. On a regardé ensemble avec moi 2 Samuel 11 et 2 Samuel 12. On a pris exactement côté de besoin pour nous faire analyse avant. On tourne la Bible dans 2 Samuel 11, 2 Samuel 12. Nous dans l'Ancien Testament, mon moyen. Et 2 Samuel chapitre 12. Je vais commencer à lire quelques versets. Comment il veut que j'ai besoin? Suivez avec. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour porter la destruction chez les Ammonites et pour assiéger Rabba, mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de se coucher et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, du toit, il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle. David envoya prendre des informations sur cette femme. On lui dit, c'est Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, d'Uri et Hittite. David envoya des messagers pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Alors qu'elle se purifiait justement de son impureté, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et envoya dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David envoya dire à Joab, « Envoie-moi Uri, le Hittite. » Et Joab envoie Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qu'il interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison. » Et lave des pieds. Et il sortit de la maison royale et il fut suivi de présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son seigneur et il ne descendit pas dans sa maison. N'a pas campé là. Dans le texte là, il racontait au doux que David, pas bien, surtout que Uri pas allé là, Kaili. Qui ça David devait faire?
Pas bien que Bathsheba vienne dire que lui, d'après ça nous sommes fait là, mais qui résulte. Mais péché, mais qui résulte. Mais David dit, waouh, moi mêlé. Mais qui ça m'a fait là? Comme bagaille la fraîche, mais témoin le oui, mais pour le capable, vin là, la kaili. Malchance pour David. Dieu rentre dans le dossier. Pour David, quand on grave, mais qui ça le fait? Il joue dans la tête oui. Ou il pas prend l'autre doigt irrévocable. Examine yo soldat ou dit soldat rete al dormi la kayli, il pas doit dormir devant Péron. Mais il parle. L'elle senti bagarre grave. Mais il voyon lettre ba Joab, dit Joab met ou une tête. Bataille là. Ma chance pour lui, il y a une crive dans bataille la premier monde qui mourit, lui-même. Premier bagaille David fait, il couche avec Bathsheba, pas vrai? Il enceinte Bathsheba. Deuxième bagaille il fait, il touille Marie Bathsheba. Il commet un double crime. Mais David pas capable de raison pour la demander bon Dieu restaurer Namni dans Somme 23. Dans chapitre 10 là, il montre au côté que Dieu voit un prophète Nathan contre David. Pour aller bali sans ton sli. Et m'bral dou sa jodi ya. Pas gen restauration sans pas prendre compte. Ah, m'patando. Pas gen restauration. Soit pe de frapper l'estomac ou toute la journée, toute la nuit. M'se moun ki pi spirituel. M'se moun ki pi kon prêche. M'se m'pa ka tombe. M'pa ka ceci. M'pa ka se l'autre bord. M'se si. M'se go pasteur. M'se go diacre. M'se go da missionnaire. M'se go prophétesse. M'se go prophète. Et mon pas prend conscience que chaque jour, ou besoin de restauration dans la vie. Pour Satan pas jouer avant. C'est garde ou abgade. Lévite la saute sous. C'est garde ou abgade. Chemise la sorti. C'est garde ou abgade. Pantalon sorti. Les moun abgade. Liwe l'estomac. Les moun abgade. Liwe ventou. Les moun abgade. Liwe tête. Cette période là. L'on pas prend conscience toujours. Qui ça Dieu va le faire? Li va le tirer slip la sou. Li va le mettre au tout ni. Et laisse ça. Laisse ça. Laisse tout le monde regarder. Parti chéni chalou. Et regardez. Oui. Même regardez Pascal Doudouni. Même regardez Yaklal Doudouni. Même regardez Intelli Doudouni. Même regardez Intelli Doudouni. C'est parce que pas de chambre conscience. Les quitter par les deux. Mal en pire. Et c'est ma douce amateur. Tire chéni pas de guette en gâte. Tire cricket pas de guette en manger. Dis bon Dieu. Restaure. Sa cricket pas de guette manger. Restaure sa chenille pas de guette manger. Et dit que, en avant le salut, j'aime vers la croix. M'a fixé, j'aime vers la croix. Ça t'est passé. M'a dit Dieu. M'a dit Jésus-Christ. M'a dit le Saint-Esprit. En avant. Parce que, c'est Canaan. M'en râler. Combien de monde qui voulait voir Canaan céleste à matin? Même restauration, ça c'est pour ma terre. Souvlez-vous un resto, souvlez-vous regarder, Canaan céleste, ça. Regardez, dis mon Dieu, je prends conscience. C'est ma plus grande faute. C'est ma plus grande faute. Moi, t'ai fait frère mal. Moi, t'ai fait soeur mal. Moi, t'ai agi mal avec pasteur. Moi, t'ai agi mal avec Jack là. Moi, t'ai agi mal avec l'église. Moi, je prends conscience. Matin, restaurer. Bible a raconté. Il dit Nathan al côté David. Il dit David. Et il raconte une histoire. Regardez, un homme qui était gagné. Regardez, on sait le petit cabrit. Un autre même qui était plein cabrit. Il était riche. Il était visité la ville là. Il n'a pas eu qui cabrit pour le tout. Il n'a pas servi de lui manger. Regardez, c'est petit cabrit par l'autre là. Regardez, Mounsa, comment est-ce que moi? Regardez, moi, dit comme ça. Non, ça méchant. Non, ça sont criminels. Non, ça mérite mourir. Mounsa va devoir vivre encore. Parce que ça fait ça. Il n'a pas qu'à tout cabrit. Ça, tout mouton ça, tout agneau ça, tout animaux ça, tout poule ça, pour ce petit palote là, il va aller pour le bail manger, il mérite mourir. Prophète l'a dit, il mérite mourir, mon roi. Ah oui. Hey, moun ki senti yo oui. Yo tout ap met sentence sou do moun. Yo tout ap gade condamner l'autre moun, mais lui même l'a gade, tu gel tellement chargé. Oh, tête chargé. David qui a prononcé sentence. Et regardez, nom ça qui est au dans l'illustration. Il nomme ça, il doit mourir. Il nomme ça, pas doit là encore.
prophète la oui, prophète la dit oui moi. Mais moun ça, c'est oui moi. Mais ça nous besoin qu'on en tant que chrétien, là yon moun dou ou pilel, c'est pour garder qu'il va mettre pion sous deux pieds moun nan. Le monde dit bon quoi trois fois, c'est vous dit oui, m'te bon quoi fort vrai. Prends conscience. Faut accepter le monde où t'es péché. Prends conscience, descends cher. Nous tous besoin de restauration. C'est parce que nous pas pour le ciel là. Nous pas pour Jésus-Christ. L'église a pas levé d'apprêter. Puis gros mot qui est dans la restauration, c'est la conscience. Pasteur Mickenson, moi t'ai parlé mal de vous. Prends conscience. Frère, sœur, pasteur Mickenson t'ai parlé mal de vous. Moi prends conscience. Et puis, s'entendez à nous repentir, nous restaurer, et puis nous léger pour nous adorer. Pour nous adorer. Combien de gens qui veulent léger pour nous adorer, ma terre? Prends conscience, M. David. David dit, moi, vraiment, vraiment péché. Moi, dit, vous prenez Bathsheba, mais ça fait. Vous prenez oui, mais ça fait. Dieu prend le punir. Nous-mêmes, peut-être, nous pouvons arriver dans la phase ça, pour nous attendre, nous, Dieu prend le punir nous. Mais si le prédicateur vient là, il dit que dans la restauration, nous avons cherché, dans la restauration de mesure, nous devons prendre conscience, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons pris conscience avant Dieu déshabille, déshabille nous. Combien de gens qui va voulu bon Dieu déshabiller au matin? Et ça, je me pardonne de tout ce qui est passé. Et moi, si je me défends du tort, pardonnez-moi. Nous sommes charnels. Nous sommes chers. Nous tous capables de pécher contre l'autre. Mais une chose est certaine. Nous sommes petites, même pas, même papa. Nous travaillons dans le même champ. Nous prenons le même côté, même côté. Les nous siècles font mieux en mode nous toutes. Les nous soyons aglo dans le siècle, nous soyons aglo en, ensemble. Nous battons dans le jardin avec manger, nous prenons goût en, ensemble. Pas quitter en rien déranger pour pas capable de restaurer. Quitter toute bagaille, alléger au bras. Dis Dieu. Je voulais prendre conscience matin. Même Jean David te prend conscience. Même Jean Israël, ou font un plan de restauration pour lui. Matin, Seigneur, font un plan de restauration pour moi. Moi, je voulais sauver. Moi, je voulais aller dans le ciel. Je ne voulais pas aller dans le ciel. Moi, je voulais vivre dans l'unité. Et pour faire, il faut être d'accord pour conscience. Pour finir avec au matin, frère Maxime. Combien d'entre nous qui besoin de restauration ce matin? Nous besoin une restauration spirituelle pour nous même Jean David dit pour l'esprit nous. Là nous connaît plus gros bagaille qui ca ravager l'esprit nous ak nam nous c'est le péché. Même saute prêcher pour nous nan restaurer pour esprit à restaurer mais dans la main pour n'avant avancer. Deuxième bagaille. Combien nous qui besoin restauration physique. Nous connaît grand pile monde maladie à ravager sucre tension. Des maladies, on devient prendre ou tout éliminer. Bon, porc, ou perdre tout corps. Combien de gens qui veulent une restauration physique, matin? Je ne sais pas qui ça, cricket, tu es mangé dans la vie. Je ne sais pas qui ça, chenille, tu es mangé dans la vie. Matin, je veux dire, Seigneur, matin, tout ça, cricket, tu es mangé. Tout ça, cricket, tu es mangé. Tout ça, chenille, tu es gâté. Mais tu restes qui reste à l'ibou, pour restaurer physiquement. Troisième bagaille, frère Maxime. Mande bon Dieu matin pour le restaurer ou matériellement. Même si vous avez tout bagaille, même si nous prions pour nous, pour l'esprit, pour le corps physique là, il faut prier bon Dieu tout pour moi, pour manger. Non, on ne peut pas manger en sort tout le temps, non. Non, mais non, non. Je ne peux pas faire petit moi. Si je fais 5 ans à l'université, je vais faire 10 ans à l'université, parce que pour bagaille, je vais monter. Je ne peux pas aller à l'école, mais je vais aller à l'école. Ça, nous avons besoin de ciel, nous avons besoin. C'est soupe nous te konn boire toute la journée mais kouda faut Dieu changer bala pour ba nous du ria à poule. Nous te konn mettre des parents faut me dire bon Dieu non, on pas un gros diacre, un gros pasteur, mon besoin me prendre mon onction sur moi y a guéri et puis vient sous les achirer non, je pas d'accord. Faut demander bon Dieu la restauration matérielle. Mon Haïti nous a besoin restauration matérielle. Nous de continuer prier pour yo. Nous besoin de restauration spirituelle. Nous besoin de restauration physique. Et nous besoin de restauration matérielle. Ou pas qu'à venir là toute la journée, pour ça à pied ou à venir. Prends taxi, mande bel miso. Dis bon Dieu, bon mon petit ma, yon petit machine. Bon mon petit auto pour mener famille, non? L'église à vous venir adorer.
ou dit bon Dieu, restaurez-moi complètement. Ni spirituellement, ni physiquement, ni matériellement. Et là, ça, ou prend conscience que, faut me travailler, tout, et bien, si ça, là, il dit bon Dieu, restaurez-moi. Non. Même si on prend conscience de péché, pour restaurer, prend conscience. Travail, serreti comme, pas gaspiller comme yo. Et puis là, ça, et spirituellement, restaurer, et physiquement, restaurer, et matériellement, restaurer. Nous formons un cadenas. Nous sommes chaînes, maillons dans maillons. On nous dit, bon Dieu, pour restaurer nous, pour qu'aimer nous, on va grâce, pour nous prêcher l'évangile ensemble. Parce que tant fini, paraît encore. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu restaure, que bon Dieu fasse grâce matin. Mais dans la main, n'a pas avancé. Bon Dieu bénisse matin. On nous dit amen. Nous remercions le Seigneur dans la vie Pasteur Mickenson. Son voix nous tendait longtemps. Mais je vous dis à que le Seigneur permette que voir les vies tout près nous, les vies de la caille nous. Encore on a prié bon Dieu pour famille et pour ministère. On nous camper debout pour nous capables de terminer. J'ai que la famille négote Dieu. Et pendant qu'il va sortir, et ça rejoint dans Kimbedi. Faire route avec lui parce que c'est une façon qu'elle prend. Ça, c'était dans la prière, dans la demande. Il était gay avec le Seigneur. Eh bien, chaque fois qu'il va manger, il sort jouer là. Et que le Seigneur continue à jeter bénédiction et sous famille. Amen. Levez-moi en l'air pour nous remercier le Seigneur après un superbe message. Pendant que le Seigneur a restauré. Pendant que le Seigneur a fait travail en dedans, dans la vie, l'avait restauré physiquement, spirituellement, matériellement. Les trois failles, ça a touché la restauration, vient au monde complet. Où son monde qui vient de remplir en bas grâce, mon Dieu. Je dis le Seigneur, pour être dans l'humilité, ne désire pas que tu me lèves tête moins. Pas que tu me lèves tête moins. Fais-moi être tout petit, tout petit. Amen. Pas quitter le Seigneur, dis pas quitter orgueil, fais-moi lever tête moins. Pas quitter orgueil, habiter en dame. Fais-moi rester dans l'humilité. Fais-moi rester dans l'humilité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Crie Alléluia. Dis Seigneur, la vie dans mes mains. Seigneur, la vie dans mes mains. Seigneur, restaurez-moi. Seigneur, restaurez-moi. Seigneur, lavez-moi. Seigneur, lavez-moi. Seigneur, foubime. Seigneur, foubime. Seigneur, nettoyez-moi. Seigneur, nettoyez-moi. Crie Alléluia. Alléluia. Allez en paix. Que mon Dieu bénisse nous. Bon dimanche et bon semaine dans le Seigneur.